Thank you.
Amen.
Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. » Vous pouvez vous asseoir un instant. La quête de cette messe est destinée à la fondation de la basilique Notre-Dame qui prend en charge l'entretien de cette église ainsi que les frais de chauffage, d'électricité, etc. Merci de votre générosité. Je vous rappelle cet après-midi à 17h la procession mariale au flambeau qui partira du collège Saint-Michel et qui sera suivie d'une veillée mariale dans cette église. Rendez-vous donc un peu avant 5h ce soir, devant l'église du collège Saint-Michel. Mercredi prochain, mercredi 10 décembre, messe oratée à 6h30 à la lueur des bougies et messe à 9h. Tota pulchraes Maria et macula originalis non est in te. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la faute originelle n'est point en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères et bien chers frères, nous célébrons en cette Église aujourd'hui une grande solennité. Cette fête qui, grâce à Dieu, a gardé ici à Fribourg son caractère de jour férié, cette fête est en effet la fête patronale de cette vénérable basilique. À une époque où le privilège de la conception de Marie sans le péché originel n'avait pas encore été défini comme un dogme de foi, les chrétiens de Fribourg voulurent cependant consacrer cette église à Marie sous le titre de sa conception immaculée. D'une certaine manière, le peuple chrétien, par sa volonté d'honorer en ce lieu Marie comme préservée du péché originel, le peuple chrétien devançait le jugement de l'Église. Et ce fait historique n'est pas isolé. Le dogme de l'Immaculée Conception a tout d'abord été affirmé en bien des endroits par la liturgie, par l'art, par la musique, en un mot, par le sens de la foi des fidèles, avant que d'être rigoureusement expliqué par les théologiens et défini par le pape Pie IX en 1854. Et pourquoi cela? Pourquoi avoir attendu 19 siècles pour reconnaître à Marie ce privilège? La raison principale de ce long mûrissement est que cette question de très près deux vérités primordiales de notre foi. L'universalité du péché originel, d'une part, et l'universalité du salut en Jésus-Christ, d'autre part. Après leur création par Dieu, nos premiers parents, Adam et Ève, ont par leur désobéissance perdu pour eux et pour toute leur descendance la grâce de la sainteté et de la justice originelle. Le péché originel avec lequel naissent les hommes est par conséquent l'état de privation de sainteté et de justice originelle dans lequel nous naissons depuis lors. C'est un péché
tout être humain. C'est une condition de naissance. En raison de l'unité originelle de tout le genre humain, ce péché se transmet alors par propagation aux descendants d'Adam avec la nature humaine. La question se pose alors, si Marie est bien une personne humaine, ayant reçu de ses parents la nature humaine, comment dans ce cas peut-elle avoir été conçue sans cette blessure, sans cette tache qui atteint tous les descendants d'Adam et Ève? En affirmant la conception immaculée de Marie, ne s'opposerait-on pas à l'universalité du péché originel qui touche tous les hommes? Première difficulté théologique. Dans quelques jours, nous fêterons la naissance du Sauveur. Nous l'affirmons dans le Credo, c'est pour nous les hommes et pour notre salut que le Fils de Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ est donc le Sauveur de l'humanité, celui qui vient racheter ce qui était perdu. La question se pose alors, si Marie était sortie sans tache des mains du Créateur, elle n'aurait pas eu besoin d'être rachetée et sauvée par Jésus. Elle n'aurait pas eu besoin de la rédemption du Christ. Or, nous le savons bien, le Christ est le Sauveur de tous les hommes. En affirmant la conception immaculée de Marie, ne s'opposerait-on pas à l'universalité de la rédemption par Jésus-Christ? Seconde difficulté théologique. Nous comprenons alors que la réflexion fut longue avant de pouvoir définir l'Immaculée Conception de Marie sans risquer de diminuer l'importance de ces deux autres vérités fondamentales de la foi. Écoutons alors Pie IX dans la bulle de 1854 définissant ce dogme. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure péché originel est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Ainsi, Pie IX nous donne la solution 7 en vue des mérites de Jésus, que Marie est préservée du péché originel. Si pour nous, l'œuvre de salut opérée par Jésus nous libère et nous guérit de ce péché, pour Marie, cette œuvre de salut la préserve de la souillure. Si nous considérons le péché originel comme une dette que Jésus vient acquitter, nous pouvons dire que si pour nous, la dette est payée après avoir été contractée, pour Marie, la dette est payée avant même qu'elle n'ait été contractée. Marie a donc bénéficié, elle aussi, des mérites de la mort et de la résurrection de Jésus, en étant préservée du péché originel. Or, une grâce qui préserve
est bien plus éminente qu'une grâce qui guérit. Rien ne s'opposait donc à ce que Marie soit préservée de ce péché, du fait des mérites de son Fils, et bien au contraire, cela convenait plus parfaitement et manifestait l'amour de prédilection du Christ pour sa mère. Ainsi, Marie est-elle celle qui a reçu en plénitude les grâces de la rédemption. Non seulement Marie n'échappe pas à la rédemption universelle, mais elle en est ainsi la meilleure bénéficiaire. Alors mes frères, prions donc Marie, cette mère toute pure et immaculée, et redisons-lui aujourd'hui ces quelques mots qui sont la devise de cette basilique écrite sous les arbres de la porte latérale. Tota Ucraes Maria, vous êtes toute belle, ô Marie, et la faute originelle n'est point en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Confessione, redicente.
Si vous êtes en divinité, c'est l'idée qui vous passe.
Dominus papis.